menteur. Et tu as quel âge, mon grand ? 9 ans. Elle était gentille avec toi, ta maman ? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée et puis des fois on rigolait. Oui, et des fois non. Bon, il est où ton papa ? Là. Oui. Et là, c'est la poule de mon père. Maman, elle disait toujours qu'elle aimait trop les poules. Bon, écoute, je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman. Mais j'ai une maman. Elle est partie, ta maman, Icar. Non, non, c'est Courgette. Courgette. C'est ta maman qui t'appelait comme ça ? Bon. Moi, c'est Raymond. C'est ta maman qui t'appelait comme ça ? Oui. Si on faisait voler, monsieur Volant. Bonjour monsieur. Bonjour madame Galfis. Je vous présente Icar. Mais je crois qu'il préfère qu'on l'appelle Courgette. Courgette. Sa maman l'appelait comme ça, et ça semble important pour lui. Hein, n'est-ce pas mon bonhomme ? Allez, viens. Bienvenue aux fontaines. Courgette. N'inquiète pas, tu seras bien ici. Oui, je reviendrai te voir. Oh madame. Enfin monsieur. Rosie va te montrer ta chambre. Là, il y a un grand tiroir, tu peux ranger toutes tes affaires. Je te laisse faire, et puis ça c'est ton lit. Bon, ça va ? Bon allez, je te laisse ranger, je t'attends dans le couloir. Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Courgette. Ah oui, oh pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Moi j'aurais plutôt patate vu sa tête. Si, bon, ça suffit. Du calme les enfants. Bon, ben, je vais vous laisser, hein. À tout à l'heure, monsieur Paul. Va t'asseoir, mon grand. Alors je reprends, hein. Donc comme je vous disais, la vache est un ruminant, ce qui veut dire que... Ah voilà, elle est donc, elle mange la première fois, hein. Mais sans la vache, elle a te remonté ensuite dans son estomac, et la vache est quand même... Bienvenue en prison, la patate. Mais dis donc, il y a de la place là-dedans, à force de creuser. Arrête, Simon. Ah, c'est vous là. Bon, la patate, pourquoi t'es là ? Hein ? Allez, raconte ! Pourquoi on t'a amené ici ? Mais attends, c'est des patates dans ton assiette. T'es une patate qui bouffe tes patates. Mais c'est pas un peu bizarre là ? Et les gars, la patate, c'est un cannibale. Ah, c'est bon, Simon. De toute façon, si t'es là, c'est tes parents qui t'ont jeté, hein. Parce que tes parents, ils voulaient plus de toi. Une patate.
patate pourrie. Dans le compost. Tu vas arrêter maintenant? Non, tu peux, ça va. Hé, viens regarder, agis sur mode vibreur. Toi, tu n'es pas veuve, tes penchements. Je produis que mes amis, parce que j'avais mal à la tête. Bon, et toi, il y en a marre avec ta fourchette. De toute façon, je saurais pourquoi t'es là. Je le saurais. Encore un autiste. Je crois. Tu crois ou t'es sûr? Je crois. Complètement à l'ouest. Ouais, t'es complètement à l'ouest, mec. Ah, mais de la fifi, 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 ça suffit là. Allez. Tu m'as tapé. Chut, distribution de bisous et j'éteins. Tu vas sortir ta baguette magique, Harry Patate? Harry Patate, n'importe quoi. Contre son courgette. Je peux jamais avancer en volant. T'as pigé? Ah non, j'ai pas pigé là. Si tu touches encore une fois mes affaires, je te pète les bras. Oh, trop balèze, courgette. Abusé. Il est fort, ce mec. Bon, jouez tranquillement en foot. Et puis lui, il arrive par derrière et il me saute dessus. Courgette, tu dis rien. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. Tu veux bien nous laisser, Simon? C'est impossible, courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Mais tu seras bien ici. Je te le promets. Et la patate? Courgette? Mes parents, ils se droguaient. Tous les deux. Tout le temps. Alors, on m'a amené ici. Tu peux pas me dire pourquoi t'es là, toi? Si tu veux, je peux me dire pour les autres. Hein. Je connais un dossier par cœur. Tu vois là, Béa, sa mère elle a été expulsée. On l'a renvoyée en Afrique pendant qu'elle était à l'école. Jujube, sa mère, elle passe son temps à ouvrir et à fermer le frigo. Clic-clac, clic-clac, tout le temps. Ou alors elle se met à frotter les toilettes pendant des semaines. Elle est complètement malade. Allez, moi je suis là. Va des gens. Le père d'Ahmed, lui, eh ben, il a fait un hold-up. T'imagines un hold-up dans une station service pour le pays des Nike. Alice, son père, il fait des trucs chelous. Enfin, des trucs dégueux. Je sais pas trop. Puis Alice, elle faisait des cauchemars de ça toutes les nuits. Il est en prison maintenant. Ben moi je crois que j'ai tué ma maman. Mais je voulais pas. J'ai pas fait exprès. On est tous pareils. Y'a plus personne pour nous aimer. Ben le matin, on se lève. Et puis y'a Ahmed qui a encore fait pipi au lit. Et puis après, on se lave. Sauf Simon, parce que Simon il fait toujours semblant de se laver. Et puis Jujube, il mange le dentifrice, parce que sa maman elle lui a dit que c'était bon pour la santé. Voilà. Laurent Houtan, le gorille, le chimpanzé. À l'école, monsieur Paul, il nous raconte l'histoire des hommes qui étaient là avant nous. Ils vivaient quand le savon n'existait même pas, et puis il prenait jamais de douche. Comme Simon. Monsieur. Et puis après, Jujube, il demande à aller à l'infirmerie. Monsieur, à cause du dentifrice. Oui, Jujube. Oui. Nous, on ressent, on fait les hommes de Cro-Magnon. Bon, mais c'est bien tout ça. Ça a l'air chouette. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Non, ça sera moins bien quand tu reviendras plus. Tu crois que tu viens par obligation? Je sais pas, c'est ton travail. Mais non, c'est pas mon travail. Je viens te voir parce que je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Ah oh, hé hey ils aiment pas trop les flics, je crois. Surtout Ahmed, il croit que c'est toi qui as mis son père en prison. Bonjour, madame. Maman! Mais qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Allez, on s'en met. Aïe! Bouge tes fesses, j'ai pas ça. Mais ben... Elle est aimable comme une porte de prison, celle-là. Oh non! C'est dur. Non, il n'est pas là. Ah ben, elle est dans la cour. Et la nouvelle, raconte-moi pourquoi t'es ici.
Toi t'es chef, c'est ça? Exact. Et faut faire tout ce que tu dis. Ouais, voilà, ouais, t'as tout pigé. Tu vois, c'est comme ça que je reparle aux filles. D'accord. Je suis là parce que ma mère, tous les matins, elle m'obligeait à aller déguiser en dinosaure à l'école. Ah ouais. Hé, tu me cherches là? Fais gaffe, je rigolerai pas à ta place. Moi, en tout cas, j'aime trop les dinosaures. Tout est débile. Allez, salut, chef. Chef, chef, chef. Ouais, poussant. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Tu sais comment on fait le truc là? Quel truc? Le truc avec les filles et les garçons. Ça, je connais tout par cœur, mes parents, ils avaient des films. C'est assez bizarre comme truc. Enfin, si tu veux, tu remues comme ça. Puis après, la fille, elle remue aussi. Puis après, bah, paf, tu vois. Quoi, paf? Le zizi, il explose. Ouais, elle explose. Non, mais sérieux, Simon, pro. Et bah, t'es crevé quoi. Oh, fatigue. Et puis les filles, ça leur fait quoi? Et bah, les filles, elles transpirent max et puis elles font que dire qu'elles sont d'accord, genre. Oh oui, 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 comme ça. Ah. Tu dis rien, courgette? Courgette? Oh non, mais ça, c'est parce qu'il est amoureux, hein. Ah ouais, t'es amoureux? Pff, n'importe quoi. Mais bien sûr, mec, ça te voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille. J'aimerais juste savoir pourquoi est-ce qu'elle est là. Mais on sait pourquoi elle est là, c'est à cause des trucs du dinosaure là. Ouais, je sais pourquoi elle est là. Bon, tu veux vraiment savoir pourquoi elle est là? T'es sûr? Mais si on se fait condamner, oh, tu veux savoir ou pas? Oui. Tiens, ça. Oh, y'a, tu l'as. Alors. Comment ça ressemble? Ok, bah si tu veux, elle a tué un mec, parce qu'il est amoureux d'elle. Quoi? Je me méfierais à ta place. La meuf, elle a un problème avec les mecs qui ont des noms de légumes. Il s'appelle Carotte, le mec. Arrête! T'as eu peur, hein? Pour de vrai, là, en fait. Son père l'a tué sa mère, parce qu'elle aimait un autre type. Puis, il s'est suicidé. Et puis, c'est même marqué que Camille, elle a tout vu. Tiens, regarde. Ah ouais, ça se voit dans ses yeux. Ça se voit qu'elle a tout vu. Juju, regarde. Bon, ça s'appelle les préparatifs. Si Rosie, elle était dans un lit avec Monsieur Paul, bah Rosie, elle tremperait 10 fois plus et Monsieur Paul, il aurait le zizi qui explose. C'est vrai ou c'est pas vrai, Simon? Bah, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que c'est vrai. C'est dégueulasse. Mais non, c'est juste qu'il est amoureux. Et il la sort fort parce qu'il a peur qu'elle s'en aille. Oh, d'accord. Bon, les enfants, vous êtes là pour découvrir la neige? Oui. Monsieur, monsieur, Yaman. J'ai une question. En fait, est-ce que ça va bien, votre zizi? Bah oui, mais si son zizi explose, bah on va pas pouvoir voir la neige. C'est quoi ça? Ah, la patate, c'est quoi ça? Tu touches pas ça! La patate, c'est un alcoolant! Attends ça! C'est un souvenir de ma mère! Tu touches pas ça! Ça va, calme! Elles sont trop belles, tes lunettes! Eh, en plus, je m'en vois dedans! Tu veux les essayer? Ouais! Wow, oh la claque! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Petit voleur! Elle est où ta mère? Elle est partie avec un monsieur, elle veut plus jamais me revoir. Et ton père? Il est en prison. Non seulement t'es un petit voleur, mais en plus t'es un menteur! Non, je mens pas! Je mens pas, madame. Allez, viens, ma chérie, on y va. Non, c'est pas moi le menteur, je mens pas, moi. Allez, viens.
J'ai quelque chose pour toi, pour ton anniversaire. C'est déjà passé mon anniversaire. Je sais, mais on se connaissait pas il y a 3 mois. Alors je pouvais pas faire de cadeau. Tiens. Waouh. Comment tu sais que c'était il y a 3 mois mon anniversaire? Je suis allée fouiller dans le bureau de Madame Papineau. Alors, tu sais tout? Ben oui. Quand mes parents sont morts, je suis allée vivre chez ma tante. Celle qui m'a amenée l'autre jour. C'est une vraie sorcière, je te jure. Dès qu'on est que les deux, elle me crie tout le temps dessus. Maintenant, le foyer c'est bien. Des fois, je rêve que je suis grand et que je suis encore avec ma mère. Elle parle toujours toute seule, en buvant de la bière. Et moi, j'en bois beaucoup aussi. Je suis bien content de savoir que ça arrivera jamais. Si on m'avait pas amené là, je t'aurais jamais connue. Vous étiez passé où? Vous êtes fait exploser les cils ou bien? Toi, je profite de la neige parce que demain on rentre. Oh non, je veux pas partir d'ici. C'était mon rêve de voir la neige. Avec faire des chevals. Allez, balai de boule de neige, vite, on y va. Salut Raymond, ici tout va bien. Tu sais, il y a eu un truc incroyable. Regarde Amel, si tu poses ta main tout doucement, tu vas sentir quelque chose. Rosie, attends un bébé. Tu sens? Oh ouais. C'est à cause du zizi de Monsieur Paul, je crois. Et on a eu trop les boules qu'elle s'en aille. Mais elle a dit que ce serait notre petit frère à tous. On a décidé de l'appeler Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Sinon, je me réjouis beaucoup de te voir. Ah oui, je voulais dire encore un truc. La nouvelle, elle s'appelle Camille. C'est quoi ton record? Mon record, c'est 747. T'es fort? Un jour, je m'arrive à 1000. J'ai lu dans un livre, tu sais, que le record du monde, c'est 27057. La fille, elle a sauté pendant 13 heures. Tu te rends compte? Ah ouais. Pas mal. 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais là, celle-là? Camille? Je comprends pas. Elle refuse absolument de me voir. Je vous ai vu, les débiles. Tu sais quoi? Rien. C'est quoi cette lettre? C'est une lettre de ma mère. Pourquoi tu bouges pas? Moi, j'ai bien ouvert les lettres, passe à moi. Waouh, un MP3. Oh la chance! Il y a une lettre avec? Désolé, mec. Je suis navré, c'est la clé. Elle veut pas trahir sa pauvre maman, et du coup, oui, c'est impossible. Cette tragédie a dû la choquer terriblement. Mmh. Soyez patiente. Mais je lui donnerai tout le temps qu'il faut si elle veut bien venir habiter chez moi. Voyons déjà comment se passe ce week-end. Mmh. Oh, c'est dégueulasse, horrible. C'est énorme. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On a vu la tante de Camille. Je te jure que tu regardes de près, ça fait peur. Hein. Grave. Oh, pauvre Camille, j'aimerais pas habiter chez une femme comme ça. Hein. Heureusement qu'elle y va pas. Mais si, elle y va, c'est madame. Pas plus mieux qu'il l'a dit. Quoi? Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle veut que tu vives chez elle si elle t'aime pas? C'est pour l'argent. Si je vis chez elle, elle gagnera un max de fric. Tu sais, si j'y retourne, je me tue. Ou alors, je la tue. Je te laisserai pas partir. T'es prêt? On y va? Oh! Désolé. Oui, oui, j'aime pas les fricouilles, je sais. Bon, attends-moi là, je vais dire à Madame Papineau qu'on s'en. C'est lourd. Oh, mais c'est lourd. Arrivez chez vous. Moi, je suis sûr, je me rebotte les fesses, ça t'ira pas. Il est dans ton sac, là. Allez, c'est parti. Mais alors, tu racontes rien? Dis-moi un peu, cette fille dont tu m'as parlé, elle est comment? Pas mal. Juste pas mal? T'as l'air plus enthousiaste dans ta lettre. Il a des cheveux doux, longs, et elle a des yeux qui font un petit peu mal au ventre. Ils sont quels bons? C'est quoi ces branches? Tous les Camille viennent avec nous! Mais je lui ai demandé! Sa tante, elle n'aurait pas voulu! Bon, on fait du tout! Non! Si je retourne là-bas, j'allais chez ma tante, et elle va me taper dessus! Bon, d'accord, d'accord. J'ai quand même pris dans le foyer. Oui? Oui, très bien. Oui, monsieur, très bien, je regarde avec sa tante. Ça va, courgette? C'est chez moi. Tu vas y voir. C'est quoi ça? C'est là que ma mère, elle me mesurait. Là, c'est quand j'avais redoublé. Là, c'est quand mon père, il est parti. Et là... Je me souviens plus.
Eh bien, tu as bien grandi, hein. T'es nul comme cowboy. Allez, filme-moi ça. Waouh, trop cool. On avait un pistolet à la maison. Comme dans les films de western. C'est mon père qui m'a appris à tirer. Il a... Et... Ouais, je sais. Bon, on voudrait le plus gros nounours possible, s'il vous plaît, madame. Sois bon, mon gamin. Bon, je suis pas, mais... Merci. Je veux dire avec Icar qui est avec les policiers. Une courgette, un policier, qu'est-ce que c'est cette histoire? Écoutez, je suis vraiment désolé. Elle s'est cachée dans la voiture. Un policier qui vole les enfants, vous appelez ça, monsieur, très bien, vous. Mais elle s'est cachée dans sa voiture. Il savait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait visiblement pas très envie de passer le week-end avec moi. Camille doit passer le week-end avec moi. Où avec ce monsieur? Soyez raisonnable, madame, respectez la volonté de Camille. Mais les enfants n'ont pas de volonté. Je vais la chercher. Excusez-moi, madame, excusez-moi. Vous pouvez donner ça à Camille, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est son porte-bonheur. Elle l'a oublié. Ah, oh, non, c'est son porte-bonheur. Ça change tout. Yes. C'est toi quand t'étais jeune? Non, c'est mon fils. T'as un fils? Oui, mais il vit très loin, je le vois plus. Des fois, c'est les enfants qui abandonnent leurs parents. On continue la visite? Waouh! C'est la jungle ici? J'aime bien faire pousser des trucs. On dort là? Tu vois? Oui! Dans le bus, je dormais pas. Ils sont même pas couchés. Et en plus, ils font une cochonnerie. Allez, viens, là, ma petite chérie, on rentre à la maison. C'est-à-dire qu'il n'a fait pas un petit peu n'importe quoi. Voilà, je vais porter plainte. Oui, vous n'allez pas venir chez vous. Je pense que c'est la situation. Je vais porter plainte. Elle vient avec moi. Elle me suit, je vous donnerai raison. Une bonne idée. Je commence à avoir des hallucinations. C'est cette truc-là qui me parle. Ah ouais? Et elle te dit quoi? Elle te dit mange-moi, croulard. Bah, qu'est-ce qui se passe ici? Vous mangez pas? C'est pas bon? T'as en fait une grève de la faim pour que Camille revienne. Ah, mais elle va revenir, Camille. Mmh. Elle revient pour voir le juge et c'est lui qui va décider si ça vaut la garde ou pas. Cher Camille, depuis que t'es partie, on rigole plus trop. On a essayé de faire une grève de la faim, mais ça a pas marché. Et puis, il y a la mère de Béatrice qui est venue. Elle s'est cachée dans les bras de Rosie. Moi, je veux rester avec vous. Puis Ahmed, il a encore fait pipi au lit. Mais... 1, 2. Ici, Simon. Hmm? Si tu m'entends, lève le bras. Non, l'autre. Désolée, j'ai pas pu empêcher de faire une balle. Bon, tout va très très mal. Alors maintenant, écoute-moi bien. T'es bien comme ta mère, toi, une petite traînée. Mais ça arrange bien mes affaires, tes bêtises, tu sais. T'as gagné. Le juge va pas aimer ça. T'as creusé ta propre tombe, ma pauvre fille. Ah. Monsieur le juge, je lui donnerai une excellente éducation, un cadre sain, du confort et surtout beaucoup d'amour. Je l'aime comme ma propre fille. Mm-hmm. D'ailleurs, avec Camille, on s'entend tellement bien. Je sais pas vraiment le fol enthousiasme. Il faut la comprendre. Après le drame qui l'a frappée, elle doit avoir l'impression de trahir sa pauvre mère. Camille, qu'est-ce que t'en penses? Tu voudrais y habiter chez ta tante? Et vous avouerez qu'après ce qui vient de se passer, j'ai pu avoir quelques inquiétudes quant à sa sécurité au sein de cet endroit, dont les manières plus que l'accès se laisse franchement à désirer. D'accord. Stop, 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 stop. T'as creusé ta propre tombe, ma pauvre fille. Là, t'es déguisé en quoi, Alice? Là, t'es déguisé en quoi? En momie. T'es déguisé en quoi, Béatrice? En Camille. Alors, super couchette, c'est quoi tes super pouvoirs? Tu fais pousser les légumes plus vite? Et toi, t'es déguisé en quoi? En débile? Bah, c'est ça, rappelle-moi qui t'a sauvé, hein. Et bah, il est déguisé en keuf. Et attention, monsieur, j'aime toujours pas les flics. Par contre, je crois que je vais te garder ce bonnet. Et tu reviens quand? Bientôt. Bientôt quand? Tu sais, Courgette, j'ai parlé au juge. J'ai parlé au juge parce que j'aimerais bien que votre famille d'accueil. À toi et à Camille. Ça veut dire que tu nous accueilles? Eh oui. Et que t'es un peu notre famille, même si t'es tout seul? Et c'est ça. Vous venez vivre à la maison. Chez moi. Enfin, ce sera chez vous, hein, si vous voulez. Et Camille, elle sait? Oui, le juge lui en a parlé. Et elle a dit quoi? Je sais pas. Mais vous avez le temps d'y réfléchir.
avec Camille. Hein? Voilà, bon, à bientôt, mon grand. Je voulais tous vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Et puis surtout, Simon, merci. Et je pensais pas que ça pouvait être si cool la vie. Et avec vous ici, c'est vraiment cool. On restera toute la vie ensemble. Ouais. Ah non, c'est pas vrai. On restera pas toute la vie ensemble. Camille et Courgette, ils vont se barrer. Avec le flic en plus. Hé, hey, Simon. Simon. On va pas partir, Simon. On veut rester ici. C'est pas juste si on part. On est bien ici, tous ensemble. Simon. Vous êtes obligés de partir. Tu sais pas comme c'est rare que des gens adoptent des enfants grands comme nous. Ouais, mais non, faut partir pour nous. Tu comprends? Un flic et un super-héros qui s'embrassent. C'est un peu chelou, non? Simon, Simon, mets-toi un peu plus à gauche. Voilà. Allez, on bouge plus. Et t'es prêt, les guignols? Oh, allez. Et c'est une vraie photo, hein. Attention, on sourit. Ouais. Bon allez, casse-toi, super courgette. Bon, on fait la course. Et le dernier arrivé, il lave mes slips jusqu'à la fin de sa vie. Allez, go! Ça, c'est le jour où vous êtes devenus mes enfants. S'il vous plaît. Ça va, Camille ? Oui. Je sais pas pourquoi je pleure. Parfois, on pleure parce qu'on est content. Indirectement. Cher Simon, tu disais que le foyer, c'était l'endroit pour ceux qui n'ont plus personne pour les aimer. Je crois que tu t'es trompé parce que nous, on t'a pas oublié. Et on n'a pas oublié les autres. Il a ouvert les yeux. Ah, il veut plus me lâcher. Comment ça s'appelle alors? Antoine. C'est joli. Ouais, bah, Spider-Man, c'était mieux quand même. Et bah, il va rester tout le temps avec nous. Non. Sauf si tu l'abandonnes. Je vais pas l'abandonner. Même s'il est ultra moche. Même s'il sent le caca. Même s'il pleure tout le temps. Même s'il fait pipi au lit. Même s'il est nul à l'école. Même s'il est bête. Même s'il mange comme un cochon. Même s'il oublie comment il s'appelle les pipi des pires. Même s'il est complètement insupportable et qu'il fait que crier tout le temps. Même s'il pète. Même s'il dessine sur les murs. Même s'il veut devenir flic. Même s'il a un long cou comme une girafe. Même s'il est punk. Je n'ai pas peur de la route. Faudrait voir, faut qu'on les goûte. Des néons, au creux des reins. Tout ira bien. Devant leur portail. Les chaleurs, l'amour, seule la trajectoire de la course, un instant pané de l'ombre, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Caresser la mitraille, s'il te plaît, qu'il tiraille, mais pas les autres. Guerre et demain, le vent l'emportera. Le vent l'emportera.
Yeah.